Pour dernière série visite li nanéan, chef ministre te retrouvé Jacques Mel ak Gonaïve. Depuis dans la propreté causé recyclage dans te mette pied, c'est imagination qui limite là. Atelier 83, yon projet côté Mebio gon histoire. Yon histoire qui changeait la vie. Nan dat ki te 3 décembre nan, chef ministre madame Sandra Honoré te rive nan Jacques Mel kote l te rencontré staff régional ministre et kote li te tout profité inaugurer des projets qui te joignent bourade l'agent ministre. Par ce geste, nous déclarons ouvert le campus de l'université publique du Sud-Est à Jacques Mel. Voilà. Bravo. Très bien. Je suis allée également à l'Université publique du Sud-Est à Jacques Mel pour inaugurer un projet QUIPS, la salle digitale de l'université, où j'ai eu l'occasion de rencontrer le recteur, M. Eli. Quand j'ai approché Mme Pires, l'ex-directrice départementale de la Ministra, elle était ravie de nous aider. Parce que j'avais été recommandé par le délégué départemental, M. Pierre-Michel Lafontaine. Et la ministre a répondu tout de suite, ils ont fait un QUIP, et voilà comment on a pu bénéficier de 30 ordinateurs flambant neufs. J'ai aussi saisi l'occasion de rencontrer certains représentants de partis politiques qui travaillent ici, dans le département du Sud-Est. Les gens avec lesquels je me réunis ont une opinion, une position sur le travail que fait la mission, sur le travail que devrait être en train de faire la mission, et nous accueillons toutes les opinions, toutes les convictions pour nous aider à travailler mieux avec les ressources qui nous sont disponibles. Après Jacques Mel, chef ministre te rendu Gonaïve, nan date 12 décembre nan. Là, li te fait des réunions avec responsable bureau régional ministère yo. Li te chita parler tout ak autorité départementale et puis ak représentant quelques partis politiques. Ensuite, li te bay un point de presse pour journaliste Gonaïve yo. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ont été portées les discussions? Je me suis réunie avec le délégué départemental, avec l'agent exécutif intérimaire, les directeurs départementaux des ministères de la planification, de l'agriculture, de l'économie et des finances, des affaires sociales et le travail, et avec les commissaires de gouvernement de Gonaïve et de Saint-Marc pour parler un peu du travail du bureau régional de la MINUSTA et l'appui apporté au cours de ce travail au département, à la mairie et aux directions des ministères dans le département de l'Artibonite. Visite Jacques Mel à Gonaïsa mette bout dans tournée régional chef ministère pour l'année 2013 là. On a un autre cas très récent et ça finit derrière. Avec projet récupération objet qui pas biodégradable, organisation Bon Demain Haïti paraît pour Noël là avec un app de Noël qui fait avec bouteille plastique. Messieurs Damio prend temps yo, harmoniser couleur yo, enfiler à peu près 3000 bouteilles plastiques pour bailler un bel abde Noël 10 pieds hauteur à tête bouteille yo, qui paraît tant comme si c'était boule Noël. Partout côté nous passer, nous jeune bidon, nous jeune assiette carton, boucher tout rego, tout bail ça là, oui, aller là plus tomber même, oh c'est désastre. Ça vraiment belle, nous venir nous faire pour belle ça yo, nous mettez dans la rue, hein. Nous ramasser bidon ça yo, nous mettez là-dedans, nous mettre sachet de l'eau. Tant de fatra, mais nous allons mettre gros fatra là-dedans parce que c'est plastique. Nous juste à protéger la zone pour qu'elle toujours été propre. Depuis 4 ans, officiellement, une équipe collecte et met tête ensemble pour sensibiliser sur protection environnement.
Ak bouteille plastique que consommateur yo a vide chaque jour, tribord à bord, yo fait un pile article différent. Pamphlet, rideau, valise, yo même fait rad avec bouteille plastique yo. Semblier poubelle. Tout ça pour éducation timoun yo. Nous passer de l'école en l'école qu'on a cherché plus contact avec l'école yo pour nous capable mettre poubelle yo, pour on s'est éduquer timoun yo, pour qu'on ait qui catégorie fatra gagne et qui gens jeté fatra et qui koto ka jeté fatra, qui koto pas ka jeté fatra. Chaque samedi dimanche toute journée, 45 jeunes BDH metté ak jeunes volontaires haïtiens travaillent dans atelier général pour réaliser différentes pièces que inspiration yo permet yo réaliser. Y acheter bouteille yo 1 goud, 50 cob comme ça, yo kon acheter n'importe 2000 bouteilles par jour. Jusqu'à date, poubelle yo fait yo mette yo situ dans zone Tioujo, en les têtes Matissan, Bawo, sous contrôle l'autre association qui n'en causé environnement tout. Nous sommes équipe, nous dévoués de ça en faire. Nous toute équipe là, nous gagne même vision. Ça tout a bloqué nous c'est manque de financement. Dans certains de bagages pour nous pas avancer. Nous pensons que avec initiative ça vient gain volontaire, nous pensons que nous allons loin avec bon demain. Les lumières éclairées dans Abdé Noël là, on dit un paquet de bonne belle boule cristal qui pas gain même visage dit tout avec bouteille plastique qui qu'on a le boucher tout égout fait désastre dans la ria. Depuis 30 l'année, tout le monde reconnaît San Gescio comme une institution qui accompagne dans le domaine médical les gens qui sont plus démunis. Mais ces jours-ci, il y a des zones où découvrir dans ce centre-là ou bien saisir où ils sont tombés. L'expérience montre aux professionnels de la santé San Gescio que même les enfants au courant de qui ils ont attrapé maladie, tant que SIDA par exemple, conditions difficiles à vivre, mettent quand même dans la situation pour avoir un comportement à risque. Qui donc vrai ennemi, ce n'est pas maladie. Seul ennemi nous finalement c'est la pauvreté. Nous pas grand autre ennemi en Haïti si tu veux. Même si moi dem qui s'en a défendre là, la santé m'a prendre bataille avec la santé. Donc c'est ma guerre journalière là pour me traiter monde, tu vois. Mais et la pauvreté a son bail qui fort. Il frappe fort. Donc si pas frappe le fort tout, n'a prêté là hein. Donc moi crois que faut nous mettre ensemble et plus force ensemble. Pour nous créer emploi, pour nous créer travail et pour nous sortir de la misère là. Puisque que, à quoi bon avoir la santé si le lendemain matin on a pleuvé ou pas grand rien pour faire ou pas grand aucun côté pour aller ou pas avoir petit tout l'école et à quoi bon alors hein? Donc pour moi, la santé sont conditions pour aller vers une vie meilleure. Vie meilleure là, sous gain la santé, mon pas de travail ou pas l'école ou pas qu'on a rien, ben la vie n'est pas meilleure. Hein? Puis faux patients à clientèle Gescio ces femmes. Dans mois de juillet 2013 là, avec Sipop Nud, pour aider femmes, Gescio l'ouvre une école vocationnelle qui gagne 5 ateliers: couti, peinti, sérigraphie, papier mâché, boiserie. Côté 150 femmes joignent un programme formation qui pas semblé avec la charité, mais qui vise très haut pour eux. Souvent, on a ce genre d'expérience d'autonomisation économique des femmes à travers des activités qui relèvent du petit artisanat et voilà. Et là, ils ne voulaient pas entrer là-dedans, en fait. Ils voulaient avoir un atelier qui tienne ensuite, qui devienne autonome et pour lequel les femmes peuvent être fières d'un travail de qualité. Et là, je trouve qu'on a réussi ce pari-là, puisque dans ces formations, il y a des femmes qui sont devenues ébénistes, qui travaillent le fer forgé avec fierté et... On a vraiment un produit de qualité et on l'achète non pas par souci de faire une bonne œuvre caritative, mais pour la qualité. Et là, je pense que c'est vraiment un des créneaux du PNUD quand on essaye de dire on aimerait voilà, créer un marché inclusif, faire de la création d'emplois. Il faut entrer dans des activités qui sont viables. Atelier 83, c'est non ça bénéficiaire choisi pour te bail atelier. La cause Gescio te l'ouvri en 83. C'est vrai, participants ont été soulagés, fait l'autre qualité d'activité dans la vie, mais avec encadrement ils rejoignent dans mes notes, ça pas étonnant que dans un petit temps tout coûte formation à dérouler en dans 2 mois dans sérigraphie, peinture par exemple, atelier 83, tu vas t'en produire des pièces que personne pas ta quoi était capable faire. C'est vrai, nous avons une technologie et scientifique, mais au point de vue à plastique et sculpture, ça a essayé un talent à développer
pendant que je travaille avec eux, parfois je suis vraiment étonné de ce qu'il y a fait, que je ne peux pas attendre. Et assez souvent, ça fait vraiment plaisir pour m'accompagner ou suivre dans tout ce que vous faites. Deux designers qui ont un bon coup de crayon portent la main forte dans l'atelier 83. Elle permet des gens qui ne connaissent rien à faire meubles de venir avec une grande expertise pour produire des qualités meubles modernes, des lignes haut de gamme qui design pour grand ma clientèle. Il faut bailler, disons, en design, en conception, à l'atelier 83 pour l'achever. Et pour nous, le but de l'AIFU, c'est à chercher, vendre produits que mesdames ont fait pour nous sûr que mesdames ont un bon travail long terme, pas court terme. Donc c'est plus pour être indépendant vraiment au lieu de constamment là, pour obliger à arrêter, à prendre mon bah, coup de main, etc. Donc c'est ça le but de l'atelier 83 qui forme mesdames. Et AIFU maintenant qui prend, si tu veux, une étape de marketing et de vendeur pour les produits. À part le fait que l'atelier 83 sont activités qui baillent mesdames yo alternative pour yo gain un bon source revenu dans dignité, mais dans gens yo participer dans travail là depuis la conception meuble sur papier, dans bail idée sur design, ambiance avec impact social travail la fait, mesdames yo retrouver un valet en dedans yo même, en capacité qui t'a dormi, qui t'a gaspillé alors que vie retourner, yo te kon traité yo de pas utile, de l'autre nom qui pilote toujours. Pour qualité meuble mesdames yo a produit là à un bon suivi, un bon tête ensemble, la vie a changé net à jamais. Kounia, qu'on dit Christella, les wap parler de li, c'est mettez derrière non s'il vous plaît, gros boss et bénisse. Moi t'arrive mais toutes mesdames nous tout continuer travail ensemble pour nous prendre l'autre mesdames encore pour nous agrandir atelier a. Parce que les mesdames dans la rue qui t'arrive dans position pour y a fermer pour y a pas prendre jeune fille en Haïti. Si nous jouons un travail, nous travaillons. Ce n'est pas seulement marcher faire dans la rue ou bien camper sous le trottoir, ce n'est pas seulement mettre ça nous dans nos mains. Si nous avons une aide, nous avons poussé nous devant, nous avons avancé. Avec l'aide, nous avons pour 6 mois dans mes PNUD, dans mes ENAT, dans mes experts qui étaient formés à Frère Salésien, nous avons avancé, arrivé juste à faire exposition dans le Caribe Convention Center. De belles sets pour Deo ou bien pour Anda, qui fait avec bois importé de qualité. Et avec l'autre matière première, avec une finition qui n'a pas de produits importés. Même qui fait avec patron, qui permet tout sorti même gens, chaque fois qu'il y a pour reproduire le modèle, il est maintenant pour 20 ans après. San Gisco a frappé toute porte pour arriver à Kembe et aller loin, loin à l'atelier 83. Depuis l'atelier Kouti, passer dans Penti, arriver dans Meb, ça t'a grave pour main d'œuvre qualifier ça, t'as non seulement perdu, mais pour ne pas t'a fait pépinière. Des fois, l'un a dans qu'on mordé. Mais vivre ensemble dans tolérance et tempérance, qui amène nous dans le chemin la paix. Quel que soit Jean Saïd, pas quitter l'émotion fait nous perdre le contrôle de tête. En cultiver la paix. Moi, à coup, nous tous, chaque monde a un rôle pâle pour jouer dans la construction de la paix. C'était un message RVC, Unité pour réduire violence communautaire dans MINUSTAH. Écris-nous un texte message pour dire nous ça ou penser dans numéro ça. Ou bien, voyez un email dans l'adresse ça. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.